Salut tout le monde, c'est Akaima pour l'épisode numéro 11 de Mario Odyssey. On se retrouve à la plage avec des escargots, des escarguettes, des... Enfin des trucs quoi, enfin voilà. Pour du coup faire la suite et cette fois on est dans la mer. Alors, toi au moins t'as l'air honnête mon petit pote, mon petit pod. Putain lui, eux aussi ils ont un truc. Regarde-moi ce mollusque à pote la bosse, c'est une vraie catastrophe. Pourquoi il se prend à siroter notre précieux élixir exquis comme ça? La flûte est complètement vide. Ah, t'es vénère, hein, ça se voit que t'es vénère. Ah, t'es vénère, ah, t'es vénère, ah, je m'en bats les couilles. Bon! Je suppose qu'il faudra d'abord affronter cet ennemi déjà pour faire bah, continuer du coup. Bonjour monsieur. En se mélangeant, les eaux des quatre fontaines produisent l'élixir exquis, ce qui est un vrai breuvage miraculeux qu'apporte le bonheur à ceux qu'on boivent. Ça donne envie, hein, mon pod. Déjà, je sais pas ton pod, hein, je suis un... Ça, c'est du bouchon. Oh, ouais, bah ça, c'est du bouchon. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Ils ont bouché nos prêtres fontaines et leur ont coulé des interrupteurs bizarres. Ok. What? Oh c'est quoi cette merde là? Oh, mais oh! Mais j'ai duelé mon salaud! Attends, maintenir regarde pour avancer. Et puis. Ah ouais! Ah c'est. Ah bah tiens, bah allez, une lune. Allez! Le bouchon du goulot de pierre! Wait. Attends. Ah. 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 Yeah, mais tu essaies de déboucher les quatre fontaines. Parle pas d'extérieur, étonne-moi. What? Et alors, quand on va faire sauter, allons-y. Attends, en fait, déjà où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. Attends, j'ai un petit doute là, je sais pas trop ce qu'il faut faire en fait en. Hein? Hein? Je comprends rien. Ouf. Et si toi. C'est quoi ça? Eh, j'ai pas signé pour ça, frère. Merde, je suis à sec. D'accord, ok, donc tu peux pas faire ça à l'infini. D'accord, ok. Attends, en fait, en vrai, fais comment pour monter là-dessus, en fait. Rentre chez toi. Ah bah non, en fait, je suis con, il y a juste un... Oh, 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 c'est pas passé loin. Ah non, merde, en fait, non, c'est... Merde, mais on fait comment pour monter? Oh, 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 putain, la dépop maintenant, le salaud. Attends, du phare est un peu plus loin, par là-bas, moi. Ah, ah, d'accord, ok. C'est quoi cette pierre bizarre là? Oups. Pardon, mauvais bouton. Pour monter en haut du fort, faut descendre de là-dedans et traverser le tunnel. Putain mais... Ça aurait été pas plus simple de tout de suite faire le monter dans le phare, au lieu de faire un tunnel. Oh merde. Après je dis ça, je dis rien quoi. Je vais
Assis toi. Regarde, pas c'est bon. Comme ça. Bien sûr avec les phares dans les yeux, bien sûr parce que c'est kitsch. Vous voyez. Non, tu touches pas. C'est quoi cette merde? Oh, ça me rappelle les jeux Mario Bros, il y avait ça aussi, putain. Oh, c'était tellement de la merde ce truc, ça me cassait tellement les couilles. Oh, 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 calmez-vous les mecs. On se calme, on se calme. What the fuck. Je sens la collègue qui arrive là. Non, c'est bon. Pas de collègue, ça va, c'est safe. Bon. Allez, hop, ça, semi du phare. Hop. Le bouchon du phare. Allez, on va faire péter ce bouchon et le foutre un bouchon plein dans la gueule, genre comme en champagne au nouvel an. Allez, et deux, pouf, toi ça, dans les dents. Attends. J'adore le bruit que ça fait. On tient le bouchon. Plus que deux. Bon, où est-ce qu'il est? Le dernier, il est là-bas. Oui. Brr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le fer turbo là. Oui. Petite fleur turbo, toi même tu sais ma gueule. Ah, ok. Oh oh oh. Ouch. Ah non, bah ça marche pas en fait. Mais bordel, mais... Tu dégages. Ah, merci, un petit cœur. J'ai commencé à avoir peur. Ah, mais. Ah oh, mais quoi? Mais. Eh, hey, je suis entouré d'eau. D'où est-ce que je fais pour. Tu fais chier. Île thermale. Ah, bah putain. Elles sont encore tes îles thermales alors. Putain, j'ai entendu d'essayer un truc là. Par contre, ça fait... Attends, wait, il y a un truc en fait, il y a un truc qui fait que c'est pour ça. Ah, je crois savoir. Ouais, mais c'est quoi tes îles thermales, mec? De la lave sur de l'eau, c'est quoi ce délire? On est d'accord, cet ennemi est totalement marrant. Ah, là il est. Allez! Les bouchons de l'île thermale! Je thermale! Thermale! Je suis thermale du soleil. Pub de merde. Bon! Toi, tu remontes, Mario, et tu fais péter le bouchon en plein dans sa gueule! Et deux, trois! Prends-toi ça là! Plus qu'un, allons-y. Bon, où est-ce qu'il est le dernier? Il est... Ah, il est là en haut. Ok. Bref. Merde. Monte. Voilà. Putain, c'est le seul jeu où je me fais agresser par des algues, sans déconner, là. Par contre, la gueule qu'ils ont, ces algues, je te jure. Ah. Ah, ah bah non. Bah c'est... Une mouette! Non, ça peut pas prendre une mouette. Oh, attends, y'a un truc là en bas. Oh non, c'est juste des choupas. Enfin, non. Comment on appelle déjà cette merde? Monsieur?
Je voulais récupérer la lune qui se cache là-haut, mais elle est trop dangereuse, j'ai failli laisser ma coquille. D'accord, faut passer par là, ok. Par contre, attends. Un combat avec des... Un combat avec un chapeau de pirate. Yaaaaaah. Oh, oh. Ah non, là c'est... Oh oh oh. Ouais, ouais, perso commando là. Oh oh oh. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ah, y'a une Madame Goomba là qui est dans le coin là. Coquille. Oh. Ah, mais votre joie là. Bah, c'est sérieux l'arnaque là. Allez. Oh, je vois pas, c'est pas assez dangereux que ça, il fallait juste bien esquiver, c'est tout, ouais, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment dangereux, quoi. Monsieur... Allez, et le dernier, bouffe-toi ça dans la bouche, fils de... Fils de pute. C'est bon, t'es vénère, brrr. Génial, et maintenant on récupère l'exkir. Toi, viens ici, toi. Combat de boss, mon salaud! Merde! Ok. Yes, c'est salopio. Bah par contre là tu commences à sortir un peu des limites de la map là monsieur, je vais pas dire mais... Ah ouais d'accord, les gueules on dit. D'accord. Ah ça commence à quand même un minimum de technique en toi si tu calmes pas le bordel en fait. Merde! Oh bah alors j'ai tué! What? Je me suis mis les questions pour lui en fait. Ah non. Ah si ça ne part! Merde! Putain! À côté encore. Putain, mais arrête de skiller, putain! Eh bah ben là maintenant je vais me tuer, lui.
Putain, mais tu m'énerves, mais tu m'énerves. Arrête de bouger. Putain. Merci. Wow. Bon bah... Triple lune. Je vous avoue que j'ai pas hyper bien compris ce qui s'est passé en fait là. Mais bon, j'ai buté le poulpe. C'est tout. Ce qui importe. La flûte est pleine. Oui. Allez. Ça... C'est une bonne chose de faite. Allez. Bah. Camille reste de lune à choper. Tu as vu ce superbe coucher de soleil? C'est vrai que ça est encore plus beau que les fontaines de l'élixir exquis. Avec les élixirs. Bah. Franchement, j'arrive jamais à lire le truc correctement en fait en vrai. Mais cette crapule de Bowser s'est encore fait la malle. Il faut qu'on reprenne la route. Ouais, mais est-ce qu'on a assez de lune en fait en vrai? Non, il nous en manque 3. Il nous en manque 3. Ok. Alors, on va chercher les lunes restantes. Je sais déjà où est-ce qu'il pourrait en avoir une. Hop. Non, merde. Moi, il béton. D'accord. Sur le retour, je l'ai niqué. Nickel. Hop, et de 1. Et de 2. Oui. Putain, la feinte. Bon, écoute. On sait pas. Donc, on prend juste lui avec. Voilà. Un peu tracé là parce que c'est pas que c'est un peu foiré cette zone là mais un peu quand même. C'est bon, elle est là madame madame Pumba. Allez, ça c'est fait. Ah d'accord, elle s'enfuit en fait quand t'es en Mario. Ouais, j'avais complètement oublié ça en fait. Oh pfff. Allez, besoin de méchant, je me casse. Bon, alors. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une petite lune encore qui squatte? Ouais, là maintenant on va pas se faire chier, on va juste se balader dans la flotte là. Il fait beau, il fait chaud, il y a des lanas, il y a du soleil, il y a tout ce que tu veux. Enfin non, il y a des escargots et du soleil, mais voilà. Non, ça c'est juste une pièce, ça c'est une pièce. Alors, recherche des lunes perdues. Donc il n'en manque plus que deux, il m'en manque deux en fait. Forcément un truc là qu'on peut faire. Forcément. Ah, attends. Il y a un petit ticket, il y a un petit panneau, monsieur. Qu'on ne peut pas lire parce qu'on a un poisson, bien sûr. Alors, truc de voyage, nage rapide. Vous souhaitez nager plus vite, maintenez ZL et appuyez sur Y pour aller plus vite lorsque vous êtes dans l'eau. ZL et Y. Merde. Comme ça, je m'en fous. ZLY. Oh, pfff. Coup de tête. Attends. Et merde. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh, je vais me faire niquer moi. Attends, bah, par contre le Z, L, Y. Ah mais en fait si j'appuie sur I. Attends, je comprends pas trop ce qu'il faut faire en fait en vrai. Je sais pas, je crois pas qu'on peut les enchaîner en fait. Attends. On prend un peu d'air, voilà. On descend de l'eau. On prend ça.
On va essayer ce que ça peut se faire baiser. Mais putain! Viens ici toi, merci. De toute façon, en plus c'est bien fait parce que vu que t'as le chapeau là-dessus, bah tu peux pas utiliser le chapeau pour prendre la poisson. Donc c'est assez bien fait, donc c'est un peu chiant. J'arrive pas à caler la technique de la nage rapide en fait en vrai. Ça c'est emmerdant. Attends, on va faire la technique de ouf. Putain mais comme tu perds vite le look, c'est bon. Désolé les mecs, là c'est moment de concentration, faites pas chier, ok? Dégage. Ah mais putain, mais pas toi, putain. Putain. Putain, j'y étais. Je suis dégoûté. Attends, je m'en fous. Je m'en fous combien de temps la vidéo elle durera, mais on fera ça. On a rien à foutre. Attends, toi tu dégages. Merci. Est-ce que tu vas me faire chier encore, toi? Bon. Attends. What? What? Oh mais non, j'étais dessus là. Oh mais j'étais dessus là. On est d'accord, j'étais dessus. Mais... Puis de merde. Oh, oh putain, oh sur le gong. Oh, allez, plus qu'une là et on se casse. Je m'en fous, on finit cette zone là dans cet épisode là. J'en ai rien à foutre. Bon, la dernière lune, où est-ce que peut être la dernière lune? Oh, attends. Attends, il y a un truc à faire avec lui là. J'en suis sûr. Ah non, c'est le magasin de chapeaux. Original. Quelle est la dernière lune? Où est-ce qu'on peut choper une dernière lune? Dernière lune? Une lune? Une lune? Attends. Wait. Wait. Ah, il y a un drapeau ici. C'est pas mal. Drapeau! Où est-ce de la grande faille? Ah! Grande faille. Grande faille. Oh! Alors là, mes choses, s'il n'y a pas de lune. Oh, un sphinx! Bonjour, monsieur le sphinx. Attends. Salutations voyageurs, à toi et au couvre-chef Kiko. As-tu des réponses car j'ai des questions? Putain, normalement c'est le contraire! Non, les saisons plus du cerf, mais comment s'appelle cet endroit? Oh, colporteur de bonnes réponses! Avance car le passage t'est ouvert. Nickel, ta gueule au téléphone. Vu que c'est dans la flotte, j'ai quand même... Ah, attends, quoique, c'est pas forcément dans la flotte. Ah, level bonus, monsieur. Allez. Ta gueule, le fun! Allez, dis-moi que c'est une lune, dis-moi. Nickel, c'est une lune! Oui, c'est ce que... Putain. Putain, le téléphone dissident, quoi. Putain, la prochaine fois, je me mets en silencieux, quoi. Bon, allez. On a toutes les lunes, maintenant, on se casse. Où est-ce qu'il est en fait le... Ah, il est là. Nickel. J'ai dit le TC connard, merci. Allez! Bon! Alors, bah ça fait de nouveau. Une zone qu'on torche en un épisode. C'est parfait. Bon!
Maintenant qu'on a Lady Lunicorn qu'il nous faut, maintenant on peut aller, je me tire, dans une nouvelle zone qu'on ne connaît pas du tout. Monsieur. Et du coup, à peu près 25 minutes de vidéo, ouais, on s'arrêtera là-dessus après. Ouais, on s'arrête. Bon, alors où est-ce qu'on va? On peut aller au pays de la cuisine. Cette crapule de Bowser ne nous échappera pas éternellement. Pays de la cuisine? Nier? 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 Bonjour. Hey, t'as vu ma grosse voile, c'est une grosse boule. Ah ouais, sacré voile, hein, parce qu'elle est presque fermée. Hein. Tu crois que Bowser a l'intention de trinquer avec l'élixir risqué, les préparatifs du mariage avancent. Bon. Ça va profiter du voyage pour faire un peu de lecture. Alors, son longueur, bah, celui-là je le connais. Alors, voyons voir ce que je peux trouver comme info sur le pays de la cuisine. Alors, les spécialités locales et la potée de fête. Il paraît que les autochtones utilisent un volcan pour la préparation. Un volcan? Ah. Un volcan. Bon, je sais qu'on est dans Mario, mais il retranscrit le truc dans la vraie vie. T'imagines déjà le mec avec la pole au-dessus d'un volcan, tu sais, au-dessus, je sais pas, d'un volcan, quoi. Les broudales font les piques assiettes. Piques assiettes. Tiens, qui voilà, les bras cassés des broudales. Bonjour. La musique, elle est rigolote. Des Goombas avec des tocs. C'est pas mal. C'est quoi ça? C'est des macarons, ça? Allez, attends, est-ce qu'on peut mourir si on va là-dedans? Ah oui, on meurt! Bon. Vite merde. Nye! Moi je vous ai laissé là-dessus parce que bon, j'ai fait de belles conneries, hein. on va se le cacher. Belle connerie. Non mais en vrai, je vois ça, je le mange parce que c'est, on dirait de la crème et tout, mais en fait non, ça crame juste le cul. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'hab, enfin de chaque vidéo bien sûr. Vous lâchez le petit like des familles, partagez et faites ce que vous avez à faire en tant que abonnés fidèles. Bien sûr, on se retrouve du coup pour la prochaine fois. Je vous dis salut et à la prochaine.